or they try to. Un invité sur la brèche. Aïe 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 aïe. Bon, chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur BFR, sur Brest Fox Radio. Et aujourd'hui, c'est une petite balade en famille que je m'accorde. Je suis à Cancale à l'occasion d'une fête autour de l'artisanat d'art. Et puis, je suis venu à la rencontre d'amis musiciens, notamment. Et là, je cherche un exposant, en fait, qui s'appelle Fred Petit, qui est photographe, et que je vais interviewer, et je suis tombé par hasard dessus. En plus, il fait partie de mon réseau, donc je suis d'autant plus content de le rencontrer. Où es-tu, Fred? Salut, Fred Petit. Eh ben, salut à tous les auditrices et auditeurs, bien sûr. Auditrice, bah, t'es galant, toi. Bah, toujours, j'essaie d'être galant, je fais le maximum. Voilà, alors Fred Petit fait partie du réseau BFR, puisque je l'ai en lien, et c'est vrai que tu fais beaucoup, beaucoup de photos. Tu sais que j'adore les photographes. J'ai un réseau photographe incroyable, vraiment. Serge Bizel, pour ne pas le citer, Vincent Lemaire, Henri Ordigraf, qui fait de la photo, Cosny, qui fait de la photo, oui, également. Et toi, maintenant, puisque tu fais partie aussi du réseau. Donc, en plus, je les vois en vrai, tes photos, elles sont super. Alors, c'est pas mal de les voir en vrai. C'est carrément même bien plus intéressant que de les voir sur le web. Alors, c'est quoi cet événement aujourd'hui à Cancale? Alors en fait c'est un événement qui dure 3 jours, le vendredi, le samedi et le dimanche, et c'est une biennale, donc tous les 2 ans bien sûr, organisée par Louis-France Ballet qui habite sur le port, et ça, c'est la 3e édition, et plus ça va, plus cette édition prend de l'ampleur. Au début, la première édition, moi j'y étais pas, il y avait peut-être 30-40 artistes, et il y a 2 ans il y avait une 60aine d'artistes, et là cette année il y a plus de 100 exposants, oui, donc c'est énorme, c'est j'ai énorme. C'est incroyable. Et c'est quoi. Génial, venez tous, hein, si vous êtes dans le coin, venez tous, que ça finit vers 19-20h, je sais pas trop, même moi j'en fais partie, je sais pas du tout, mais venez, parce qu'il y a une bonne ambiance, il y a des peintres, des dessinateurs, des maquettistes, bon, des photographes bien sûr. Il y a Anne-Claire qui fait des body painting et tout, c'est magnifique. Je vais aller la voir après. Là, je vais la cuisiner. Si vous avez des pitchounes, venez avec vos pitchounes. Voilà, on est venu avec Avel Junior. Il y a des musiciens, désolé, je vais me taire au bout d'un moment, mais venez parce que c'est convivial, c'est bon enfant, et voilà, si vous voulez passer un bon moment. D'accord. Alors, avant qu'ils envoient la musique, là, parce que ça a l'air d'être un peu rock. Ouais. Alors, toi, ta base, elle est où? Elle est à Cancale même? Tu as un atelier à Cancale? Alors, malheureusement, je n'ai pas atelier. Parce que moi, j'ai commencé à exposer justement il y a que 2 ans en fait sur la rencontre Calais. Ils m'ont contacté, moi je me considère pas comme un pro, après c'est pro ça veut rien dire, comme je dis, il y a des amateurs qui sont habités par la grâce, et je crois que tu fais partie de ces amateurs habités par la grâce. Arrête les compliments, non, c'est pas les compliments, c'est la vérité. Il y a beaucoup de musiciens comme ça aussi également. D'ailleurs, je suis venu rencontrer Yann Malo qui s'est déplacé d'assez loin d'ailleurs pour venir participer à cet événement, et je vais aller le voir tout à l'heure, mon petit Yann, pour une interview. Ils sont bien. Il est là-bas. Il y a plusieurs photographes, là, je vais les voir, ils sont magnifiques. Ok. Alors, pour continuer, toi maintenant, comment on fait pour aller à la rencontre de tes magnifiques images en dehors de ce type de festival? Alors, le plus simple, malheureusement, Internet. Mais heureusement qu'il y a Internet quand on n'a pas d'atelier. J'aime bien le vrai contact. Voilà. Donc il y a une page Facebook, bien sûr, qui s'appelle Infiniment Bretagne, tout simplement. Et là, vous tombez, hein, et je raconte pas ma vie, ce sont uniquement des photos. Et dès qu'il y a une expo ou plusieurs expos en vue, je mets les dates, les événements, etc. Sinon, les gens qui sont intéressés, je vais pas parler d'achat parce que je suis pas là pour vendre non plus spécialement. Il y a un site jingo.com, jingo.com, @infinimentbretagne, et là il y a une 20aine d'albums, il y a 1500-2000 photos. Ah oui, quand même. Il y a du voilà. D'accord. Alors Fred, j'ai une petite adresse à te communiquer si tu as envie d'exposer. Il y a un lieu qui va s'ouvrir, qui s'appelle le Café des Arts, qui va s'ouvrir à Saint-Lunaire. C'est un lieu artistique et culturel où justement, je présume en tout cas qu'il recherche des exposants, notamment photos, etc. Donc je t'invite à prendre contact avec Gaël et Mathilde. Tu les contactes de la part de BFR, et je pense qu'elles te feront un accueil vraiment chaleureux au regard de ce que tu d'ailleurs bon, de ce que tu présentes. En plus, j'adore Saint-Lunaire, donc ça j'adore. Voilà. Non, c'est vrai. Donc c'est un lieu qui mérite justement d'être visité. Puis en plus, s'il est habillé de belles photos, c'est que mieux.
Bon, bah, merci pour l'information. Du tuyau, comme on dit. D'ailleurs, je vais noter parce que je vais oublier. Oui, il n'y a pas de problème. On va faire ça en privé. Bon, écoute, je te remercie. Puis, ravi de t'avoir rencontré en vrai. Depuis le temps qu'on communique, on va dire, par Facebook, et j'aime bien, voilà. On est dans le réel, dans le vrai. On peut se toucher, on peut se parler, on peut exactement. Se regarder. Exactement. Et je ne manquerai pas de revenir c'est vers génial. Toi parce que je travaille avec, sur un peu, un projet modeste avec justement de la photographie et de la musique. Voilà, j'en ai parlé avec Serge Bizel et écoute, pourquoi pas te joindre à ce projet un petit peu fou, mais j'aime ce qui est fou. Mais modeste. Mais c'est ce que je préfère. Alors, ok. C'est ce que je préfère. À très bientôt, mon ami. Avec grand plaisir. Ouais. Avec grand plaisir. Salut. Avec grand plaisir. Salut à tout le monde. Allez, ciao. La vie belle, c'est où BFR. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur Brest Fox Radio. Dans notre vol, aujourd'hui nous survolons Cancale et nous atterrissons à Laran-Cancalais. Alors c'est quoi ce truc-là bizarre? Mais en tout cas, ils vont nous l'expliquer, ils sont là. Olivier Rec, accompagné de mon vieux compère Yann Malo, que j'avais déjà rencontré sur Dinar, qui était venu à notre rencontre en fait. Et c'est pas la première fois qu'il se déplace. Yann, je suis ravi de te revoir. Ben moi aussi, ça fait plaisir. En plus, ça faisait longtemps qu'on disait, faudra qu'on se refasse quelque chose. Donc c'est l'occasion jamais, tant mieux. Ben là, on va pas faire grand-chose à part une interview, mais on aura l'occasion de faire quelque chose ensemble. Je t'en parlerai hors antenne. D'accord. Alors, tu es accompagné d'un, apparemment, un pur breton, j'ai l'impression. Un certain Olivier Rec. En tout cas, ça sent bon le beurre salé. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors Olivier Rec. Qui es-tu? On va commencer par toi, honneur aux invités. Toi, Yann, on te connaît, hein. On verra après pour Yann. Alors, Olivier, qui es-tu? Ben, pour l'instant, je suis un voyageur qui se balade entre Paris et Quiberon et qui va sûrement revenir s'installer du côté de Vannes. Ah, d'accord. Et tu es originaire de Vannes? Oui. D'accord. De la région Vannetaise, ouais. Alors, qu'est-ce que tu es venu faire, là, sur Cancale, en fait? Ah ben, écoute, on est venu avec Yann, animer leur expo de peinture, en fait. Voilà. D'accord. C'est une expo de peinture qui est ponctuée de prestations artistiques. Guitare, contes, chansons. Donc vous faites un petit peu de la, je dirais, du concert itinérant, puisqu'il y a des exposants tout le long de la, tout le long de du port, de la jetée, etc. Donc, d'après les informations que j'ai recueillies, il y en aurait une centaine. Vous vous baladez depuis ce matin, apparemment? Non, là, c'est que cet après-midi. Hein. Disons qu'on a un podium fixe et on vient voir un peu les exposants pour leur faire honneur. C'est super. Alors moi, je reviens sur le personnage Olivier Rec. Tu es auteur, compositeur, interprète? Oui. Depuis combien de temps? 25 ans. Depuis 25 ans? Ah ouais, ça fait quand même... Auteur, non, depuis où là? Depuis 40 ans, auteur. Ah oui, quand même, quand même. Alors, ton répertoire, c'est quoi précisément? Est-ce que ça tourne sur des chansons à thème, genre chansons engagées, ou plutôt côté poétique, côté marin? Oui, poésie, marin, quelques chansons engagées sur la nature, l'environnement. C'est génial. Est-ce qu'il y a un album à vendre, à acheter? Est-ce qu'il y a des albums? Il y a des albums, mais celui qui fonctionne bien maintenant, c'est le dernier. On en fait quelques-unes avec Yann. C'est Cœur de Breton. Voilà, ça veut tout dire. Où est-ce qu'on peut se procurer cet album? Dépôt-vente sur Guérande, autrement Internet. Le compteur des Gablous. Voilà. Et le compteur des Gablous, autrement sur Internet, par mon site. Alors le compteur des Gablous, c'est quoi? C'est un petit lieu très sympathique où ils font pas mal de... De vêtements et de produits bretons ou d'importation d'Irlande. Ils travaillent en direct en plus, donc ça permet d'avoir des produits de qualité et à des prix assez raisonnables, je trouve. Et puis voilà, j'étais client, on est devenu amis. Et quand j'ai parlé d'Olivier, de ses chansons, il m'a dit « pose-en ici ». Et ça fonctionne bien. Et comme le mien, il est arrivé jeudi, à partir de mardi, il sera aussi disponible sur son lieu, dans sa boutique. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, comme vous l'avez constaté, Yann a repris le micro, hein, parce que Yann maîtrise très bien la chose, en fait. Alors, Yann Malo, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, Yann, je l'ai connu à une certaine époque, il tournait, je ne citerai pas avec qui, non, j'ai pas envie. Et qu'est-ce qu'on est rancunier. Non, c'est que les bébés dans le dos, ça suffit une fois, et après, c'est vrai que du coup, on n'a pas envie de faire la publicité pour la mère porteuse. Tout à fait. Et moi, je vais dire que la formation solo te va très bien.
Je trouve que tu rayonnes depuis que tu travailles en solo et c'est, au moins tu fais voyager tes chansons, tu les offres au public, tu es quelqu'un de chaleureux, je te connais bien. Petit cadeau d'Olivier Rec et de l'ami Yann Malo, rien que pour vous, amis auditeurs de BFR, en live à Cancale. Les voix sur les bancs, le long de la jetée, regardant l'océan au rythme des marées, se souvenant d'un temps où la voile était reine, quand le souffle du vent leur chantait la rengaine. Réduisez vite la voilure, on va enfin causer. Après 6 mois d'aventure, les femmes on va retrouver. L'équipage file au bistrot, sans aucune autre ambition que de fêter ses ronds au son de l'accordéon. On ne peut pas comprendre ce que disent leurs yeux. On ne peut rien entendre du visage de ces vieux. Leur faciès buriné par le soleil et le vent rappelle les caporniers et le chant de ce temps. Réduisez vite de la voilure, on va enfin coster. Après 6 mois d'aventure, les femmes on va retrouver. L'équipage file au bistrot, sans aucune autre ambition que de fêter ses ronds au son de l'accordéon. Ils savent encore sourire au temps de leurs 20 ans, comme s'ils voulaient nous dire, remettez vos cabans. Réarmez les bateaux et larguez les amales, limitez vos barreaux et tenez bon la page. Et quand le jour s'en va rejoindre l'horizon, ils rentrent à petits pas, poussés par Aquilon. Le jeu caboulot et le verre à la main parleront de bateau, chanteront ce refrain. Réduisez vite la voilure, on va enfin coster. Après 6 mois d'aventure, les femmes on va retrouver. L'équipage file au bistrot, sans aucune autre ambition que de fêter ses ronds au son de l'accordéon. Réduisez vite de la voilure, on va enfin coster. Après 6 mois d'aventure, les femmes on va retrouver. L'équipage file au bistrot, sans aucune autre ambition que de fêter ses ronds au son de l'accordéon. Bravo! Quel beau cadeau que vous nous avez fait! Oh, vous en avez de la chance sur BFR! À bientôt les humains! BFR, c'est d'enfer!
BFR, c'est d'enfer.